Salut, salut les bricoleurs, monsieur ATC, encore une fois pour vous, pour une autre idée du logement, à travers le recyclage. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo que nous avons partagée avec vous hier, l'un des objectifs pour ces projets est tout simplement de recycler du bois de palette. Alors, dans le cadre du village de l'économie circulaire de la région Guadeloupe, nous avons mis à disposition pour vous de nombreux projets qui vous permettront de construire vos propres mobiliers en palette pour la maison. Alors, comme vous le savez tous, pour cette période de Noël, nous avons besoin de rangement, beaucoup de rangement. Alors, c'est pour ça que je vais partager avec vous aujourd'hui un projet assez simple et pratique pour la maison. Une étagère avec plusieurs rangements que vous pourrez placer dans la cuisine, dans le salon, dans la pièce que vous souhaitez. Alors, lorsque je fais allusion au rangement, je veux parler de choses assez simples qu'on utilise tous les jours à la maison. Comme par exemple, des packs d'eau. Et je vais prendre cette opportunité pour remercier tout particulièrement notre partenaire Caroline qui met à disposition une eau de qualité 100% made in Guadeloupe. Allez, on y va, on va construire cette étagère. Alors, juste avant de commencer, je tenais quand même à vous dire que le but de ce projet est de vous permettre de réaliser chez vous les mêmes designs que je partage avec vous. Ces designs en palette qui sont assez utiles et pratiques. Nous allons aussi mettre à disposition pour vous des plans 3D que vous pourrez télécharger pour vous permettre de construire ces mêmes designs à la maison. Et pour télécharger ces plans 3D, vous pourrez directement vous rendre sur notre page YouTube, directement sur la plateforme ATC. Alors n'hésitez pas à vous rendre directement sur la chaîne YouTube MyTCTVDIY ou encore le site atc-c.com pour télécharger vos plans 3D. Allez, on y va! Alors, l'une des premières choses à faire sera de trouver, bien sûr, une large palette comme celle que je vous présente actuellement. Ensuite, à l'aide de ma scie sabre et de mon marteau, je vais commencer à décrocher chacune des lattes. Alors, comme vous pouvez l'imaginer et le voir, ici, cette étape pourra vous prendre quand même du temps. Alors, pour rendre les choses beaucoup plus faciles pour vous, je vous conseille d'enlever d'abord les blocs et ensuite les lattes. Et comme vous pouvez le voir, il faudra aussi prévoir un peu de nettoyage. Alors maintenant que nous avons chacune de ces lattes, la prochaine étape consistera à enlever les clous afin de passer à la dégauchisseuse. Alors pour enlever ces différents clous, je vais vous conseiller d'utiliser uniquement un petit marteau. Pour rendre les choses beaucoup plus faciles, vous pourrez aussi utiliser un chasse-clou. Ensuite, lorsque tous ces clous sont bien enlevés, il est temps pour moi de passer à la dégauchisseuse raboteuse qui me permettra de nettoyer chaque face du bois. Après, je vais utiliser de longues lattes qui vont être ensuite le support pour cette étagère. Et des petites lattes pour justement les plaques d'étagère. Ici, comme vous pouvez le voir, je vais tracer différentes lignes à 30 cm et ensuite aller sur ma scie à onglet pour faire les découpes. Et vu que pour ce design, j'aurai besoin de 5 plaques d'étagère, je vais bien sûr devoir couper plusieurs lattes de 30 cm. Alors notez bien que ici, c'est une petite étagère, hein. Si vous voulez une étagère plus large, vous pouvez la faire aussi à 40 ou 50 cm. Et la prochaine étape consistera à assembler la première étagère. Comme vous pouvez le voir, j'utilise ici des clous avec mon compresseur et de la colle à bois. Ensuite, du mastic afin de reboucher les trous. Je vais ensuite prendre les mesures pour les lattes qui sont assez longues pour les couper à 1,60 m. Et encore une fois, si vous souhaitez avoir des étagères beaucoup plus hautes, vous pouvez bien sûr changer la longueur. Et pour ces découpes, j'utilise à nouveau ma scie à onglet. Ensuite, avant de passer au ponçage, je vais m'assurer de bien reboucher chaque trou visible sur ces lattes. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore la méthode Tsuchugiban qui me permet de brûler le bois et de refermer les pores. Et ce qui me permettra aussi du coup de faciliter les étapes suivantes. Ensuite, il me suffira de prendre ma ponceuse
et de poncer légèrement afin d'enlever la poussière. Et comme vous pourrez le voir, je vais aussi répéter les mêmes choses sur chacune des longues lattes. Et l'avant-dernière étape ici consistera à choisir les coloris. Comme vous pourrez l'imaginer, vous pourrez choisir les coloris en fonction de la saison, en fonction des événements. Ici, vu que la saison de Noël approche, j'ai opté pour du rouge et du noir. Et nous y voilà. Chaque plaque vernie est peinte et les supports prêts à être assemblés. Mais avant l'assemblage, et afin de pouvoir éviter le craquage du bois, je vais pré-percer les trous qui me serviront ensuite à insérer les vis. Pour finalement passer à l'étape finale qui me permettra de faire le montage de cette étagère. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai placé ici une palette au sol afin d'avoir une surface assez plate et aussi assez stable. Comme vous aurez pu le voir, pour faciliter les choses, je vais d'abord débuter par la plaque du dessous et ensuite placer celle qui va tout au-dessus. Et me voilà donc prêt à rajouter le reste. Pour pouvoir placer le reste des étagères, je vais d'abord mesurer la distance qu'il y a entre celle du bas et celle du haut, avec ma calculatrice divisée par 4, et tout en enlevant l'épaisseur des trois autres plaques, ce qui me servira à couper des supports qui me permettront ensuite de placer les plaques. Pré-percer les trous et ensuite visser chacune de ces plaques. Et comme vous pouvez le voir ici, le résultat est assez pratique et peut être placé dans la pièce que vous souhaitez, comme je vous l'ai dit au début. Et comme vous pouvez le voir, ici, l'esprit sera bien sûr un esprit de Noël. Comme vous pouvez le voir, un projet assez simple à réaliser pour la maison et pour vous donner un peu plus de rangement dans la pièce que vous souhaitez. Et n'oubliez surtout pas de télécharger vos plans 3D qui sont offerts gratuitement dans le cadre du village de l'économie circulaire de la région Guadeloupe. Et si vous êtes nouveau dans notre communauté, je vous invite à vous inscrire juste ici à MyTC TV DIY. Ensuite, vous cliquez sur la sonnette pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Monsieur ATC encore une fois pour vous pour une autre idée du logement à travers le recyclage. Et je vous dis à la prochaine.